Salut, c'est Hugo Lapalu. Je fais du ski de fond au club des sports de la Clusaz et je suis membre de la team Bélier. Bon, pour moi le confinement, c'est juste un enfer. C'est vraiment super long. Mais bon, après c'est pour tout le monde pareil. Et là, j'ai vu il y a 2-3 jours, dans Dig Mag, ils ont commencé à sortir des vidéos sur les collègues qui font du sport. Et j'ai un peu regardé comme ça, et ça m'a donné 2-3 petites idées. Bon bah du coup, pour commencer, pour me trouver le temps, j'ai vu la vidéo de Camille Hall là. Il a commencé à faire de la guitare. J'essaie d'apprendre à jouer de la guitare. Bah, du coup, j'ai dit je vais faire pareil, j'ai essayé. Bon, c'est pas super encore. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim et d'avoir froid. Bon, ok, la vidéo de la guitare, pas super. Mais du coup, j'ai regardé la vidéo de Jonathan Leroy. Il est là, il jongle les machins avec les papiers toilettes. Ça, c'est une super idée. Bon, la musique, c'est vrai que ça va 5 minutes. Alors, j'ai dit, je vais me lancer dans la cuisine, comme Coralie Benz. Donc, j'en ai profité pour faire un roulé version salée, un roulé à la courgette, au boursin et au saumon. Et voici. Tous mes copains, ils m'appellent le cordon bleu, je me suis dit, allez, c'est pour moi aujourd'hui. Et là, je vous ai préparé un truc aux petits oignons, les amis. Bon, ça se passe pas toujours comme on veut, mais ça va être super bon. Bon, et pour rester en forme, eh ben j'ai encore regardé des vidéos de Nordic Mag. Et j'ai vu là, Quentin Joly, il fait le change du micro-ondes. Et moi j'ai dit, je vais faire pareil. Oh putain, le micro-ondes! Oh putain! Bon, moi le micro-ondes là, ça m'a quand même bien séché. Alors après, j'ai regardé la vidéo à Gérard Ragnolet. Et il a dit, je sais pas quoi, là, pour être en forme, faut manger du fromage. Et bah, qu'est-ce que je fais pour être en forme? Et bah, moi, pour être en forme, je mange de la tam. Manger du reblochon pour être moins con. Mais moi, dans ma tête, ça fait qu'un tour. Hein. Alors là, je sais pas par quoi je vais commencer, mais je pense que je vais me faire un petit reblochon pour commencer l'entrée. Voilà. Bon, bah, après, voilà, fallait bien manger, mais bon, fallait faire du sport quand même. Alors, j'ai regardé la vidéo à Laurent Mulet tout à l'heure, là. Il a dit, fallait faire du gainage. L'après-midi, ça commence par un petit coup de gainage. Moi, c'est quand même. Ouais, et moi, et je vous dis, ça me saoule. Je préfère quand même bien me prendre une bière. Ah, tac. On va se regarder un bon petit film là, avec les copains. Bon, après, j'ai quand même bien culpabilisé là. Rien faire de mes journées, manger du fromage, boire des bières et tout. J'ai dit là, je vais faire comme l'ancien avocat. Elle a fait la Zumba. Ça, c'est une super idée ça. Everybody put your hands in the air. Everybody put your hands in the air. Ah, puis voilà, quoi, pour finir la journée, je me suis dit, allez, Hugo, cette fois, tu sors, tu fais comme Flora Dolci, tu prends le télésiège et puis tu vas en haut de la montagne, là, à marcher une demi-heure. Et moi, j'avais oublié, le télésiège, il est fermé, là, la station, c'est terminé, hein. Et c'est encore un plan qui tombe à l'eau, hein. Ils ont envie que je boive des bières ou quoi? Non, non, plus sérieusement, pour le mot de la fin, là. Prenez soin de vous, faites attention, restez chez vous, et puis hein, plus tôt on sortira, plus tôt on fera la fête. Enfin, si c'est encore le temps. Et en attendant, et ben dans un an, ici, il y aura la borderline. A plus!